CAPLPSTI, certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel sciences et techniques industrielles, ouvre à la carrière d'enseignant, principalement en lycée professionnel dans les disciplines industrielles. Ce concours permet d'enseigner également dans les SECPA, qui sont les sections d'enseignement général et professionnel adapté, et en BTS, dans les unités de formation des apprentis. Suivant votre cursus, vous aurez le choix entre 4 sections. Le génie mécanique, le génie électrique, le génie civil et le génie industriel. Le parcours CAPLPSTI de l'INSPE Hauts-de-France de l'Académie de Lille permet donc de vous diplômer au niveau master et est principalement dispensé sur le site INSPE de Villeneuve-d'Ascq avec, en appui, certains lycées professionnels de la région. L'enseignement en lycée technologique et collège fait, lui, l'objet d'un autre parcours qui est le CAPET S2I. Le parcours s'adresse à un public varié. Les étudiants de L3 ou L3 professionnels, dans les domaines des sciences et techniques, ces étudiants devront s'inscrire en M1. Les personnes en reconversion et qui doivent valider un master devront également s'inscrire en M1. Les personnes titulaires d'un bac plus 5, ces personnes se verront proposer un parcours adapté soit en M1, soit en M2, suivant leur profil. Les personnes dispensées de titre peuvent suivre la formation afin de préparer le concours. Ces 2 années de formation se dérouleront en présentiel. Le service de formation continue de l'INSPE vous aidera sur toute démarche administrative. Pour toute précision, n'hésitez pas à contacter les responsables du parcours à l'adresse indiquée. La formation master est pensée pour vous préparer au concours STI via un renforcement disciplinaire ainsi qu'une préparation aux dimensions didactiques du concours. La formation prépare les étudiants à former des exécutants de haut niveau à travers des pratiques professionnelles en atelier ou en laboratoire. Cette préparation se déroule dans les structures de lycées professionnels de la région. Les spécificités de l'enseignement professionnel sont donc prises en compte dans la formation. Voici quelques témoignages de nos anciens étudiants. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous faire un témoignage concernant ma reconversion professionnelle. Bonjour. Un petit mot pour dire à ceux qui pensent que la reconversion professionnelle est impossible, tout comme moi je le pensais, c'est une erreur de penser cela. Il est vrai que ce n'est pas facile, mais pas du tout impossible. Je suis ingénieur en électrotechnique et j'ai travaillé en tant que responsable de maintenance industrielle pendant 10 ans chez Schaeffler France à Templemar. Pour ma part, j'ai quitté le cursus scolaire en 99 avec un BEP et j'ai travaillé dans l'industrie automobile pendant 20 ans. J'ai eu un accident de travail, donc je ne pouvais plus continuer mon travail dans la maintenance et j'ai décidé de faire une reconversion. Mon parcours dans l'industrie m'a permis d'obtenir l'équivalent d'un bac plus 2. J'ai choisi de devenir professeur au lycée professionnel. Pour cela, je suis passé par l'ESPE. Donc, j'ai passé deux ans en tant qu'étudiant. La première année, j'ai passé mon concours et je l'ai réussi. La deuxième année, en tant que professeur stagiaire. Je ne pensais pas qu'il était possible à ce moment de devenir enseignant et de partir sur les bords de la fac. L'ESPE m'a permis de connaître et découvrir le métier de professeur. Il m'a aidé aussi à comprendre le référentiel, entre parenthèses, c'est le programme pour ma spécialité. Et j'ai fait 2 stages qui m'ont vraiment aidé à découvrir le lycée professionnel, le plateau technique. Après contact avec l'INSPE, qui m'ont rassuré sur la faisabilité de mon projet, je peux dire aujourd'hui que je suis complètement épanoui dans mon nouveau travail en tant qu'enseignant en lycée professionnel, après la réussite du concours et du master. Aujourd'hui, je suis très épanoui dans mon travail. Je suis très content de ma formation et je ne regrette pas mon choix.